Ah yes. Devant, devant. Tu veux que je laisse le doublé? Ouais, encore? Ouais. Ouais. C'est juste, c'est le zone de l'équipe juste devant et...
Une remarque du team. Bon, après, je mets ça sur votre dos. Ah putain! Qu'est-ce que tu m'as offert? Ah bah c'est une bière. Ah, une petite bière, nickel. Voilà. Franchement, mon bateau fonctionnait super bien. J'ai vraiment pas été embêté. C'était génial, quoi. Enfin, on a vraiment une belle monture et on en est trop fiers. Ah, merci à tous. Bravo. Il est récupérable. Oui, c'est bon. C'était fort à vivre, mais ouais, quelle course. C'était un grand moment et écoute, hyper fier en tout cas d'être là, d'arriver là en tête. C'est un coup de maître, Johan, première transat en solitaire, première victoire. En IMOCA, faut spécifier, parce que sinon, c'est... Bah écoute, je sais pas, tout le monde n'est pas là, hein. J'ai une petite pensée pour Charlie qui n'était pas avec nous, mais écoute, ouais, ça s'est bien passé, j'ai fait surtout un décalage tactique qui m'a servi tout du long, ça s'est essentiellement joué là, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a un bateau qui est dessiné pour aller dans la brise et dans plus de mer que les autres, et du coup j'ai peut-être eu plus de facilité à mettre le curseur un peu plus haut. Et voilà, et puis écoute, j'ai au final pris pas mal de plaisir, c'est quand même des bateaux durs, mais pris du plaisir à bord, à naviguer, et c'est engagé, mais c'est des bateaux qui te le rendent bien, parce qu'il y a quand même des moments de plaisir, de surf, de dingue, et voilà, mais bon, faut s'accrocher. C'était une course de calife, mais t'as pas fait semblant, toi. Bah, le problème, c'est que personne n'a fait semblant au début, tu sais, on est tous partis de Martinique, on s'est dit « ouais, c'était cool ». Et en fait, on était en régate là, toute la montée au nord, et du coup, même pour dormir, c'était dur. Et à un moment, bon, je me suis dit « non mais là, on peut tenir 10 jours comme ça, les gars, on va se calmer ». Et donc j'ai accepté de perdre un peu, et puis bon, voilà, au final, j'ai trouvé mon rythme, et ça a bien fonctionné, mais c'est vrai qu'il y a des...
il y a des vrais coups d'accélérateur à mettre par moment, il faut savoir quand le faire et c'est pas évident. En tout cas, je suis content de m'en être bien sorti. Les bateaux ont bien souffert, je pense, pour tout le monde. Hein, et on a beaucoup de leçons à apprendre sur la façon de les manier, parce que clairement, on n'est plus dans les monocoques qu'on connaissait avant. On peut pas les pousser à 100% tout le temps, sinon on casse tout. Hein, clairement, c'est, il n'y a aucun doute. Hein, tout à l'heure, je faisais encore des surfs à 35 nœuds. Et en me disant, mais à quel moment est-ce qu'en fait j'explose le bateau au fond d'une vague et voilà, et le curseur est très très difficile à positionner. Tu dis quoi ça, la victoire à moins d'un an du Vendée Globe, tu positionnes clairement comme un gros client. C'est toi qui me positionne comme un client, moi je fais que du bateau. Hein. Ah ouais. Hein? L'automne est beau, deuxième sur la Jaguar, premier. Ouais, on fait 2-1, ça franchement je suis trop fier pour toute l'équipe. Ça a cravaché dur. Petite pensée pour Thomas qui a cassé mais qui revenait fort à ce moment-là, et il était carrément dans le coup. En tout cas, on a des belles montures et je pense qu'on l'a montré en cet hiver 23 à un an du Vendée, effectivement. Tu rêves de quoi maintenant, Johan ? Hein ? Tu rêves de quoi maintenant ? Ouais, d'aller faire la fête, là. Si tu veux, ça fait 2 ans qu'on est au taquet sur ce projet, mais la poignée dans le coin. Alors là, là c'est le moment de se rembourser. T'arrives à dire que vous avez mis à l'eau en février, Johan ? Ouais, bah oui, c'est vrai qu'on a mis à l'eau en février, donc ça fait 9 mois. Ça a été un long chemin jusque-là, on a passé beaucoup de temps en hangar à réparer les problèmes de jeunesse. Et voilà. Est-ce que les options que t'as choisies pour la construction du bateau, ça valide ou pas ? Ouais, carrément, ça valide. Ben, les options étaient faites aussi par rapport à ce que je voulais voir, par rapport au design du bateau, par rapport à ce que je sais qu'on va vivre dans le sud l'année prochaine. Alors du coup, je suis jamais allé dans le sud, mais si ça ressemble à ça, je me sens capable d'y aller avec ce bateau-là. Non, je pense que c'est la victoire d'un bateau. Je pense que ce design, il est exceptionnel. Il a un cran au-dessus de ce qui s'est fait, et chez les autres en tout cas. Et du coup, on est capable de le pousser plus loin et du coup de mettre le curseur plus loin. Est-ce que s'ils étaient venus avec moi, 100 000 au nord, là, ils se seraient mieux débrouillés? J'en suis pas persuadé. Voilà, bon, on le vérifiera sur les prochaines courses, j'imagine, mais oui, je pense que, en tout cas, on a un design adapté. Il y a des fois, c'est pas facile, hein. On l'a vu, la sortie de la Martinique, on n'était pas à notre aise, c'est pas ce qui nous convenait. Il y avait des bateaux qui allaient mieux que nous, mais voilà, on est quand même fait pour le gros temps portant dans la mer forte. C'est comment t'as enchaîné les deux courses Hein? Très fatigué, en Fort de France, t'as pas vu. Ouais, Fort de France, j'étais creux. La deuxième course derrière. Ouais, bah écoute, je suis parti avec pas mal de motivation quand même. J'étais bien, bien chaud pour la faire. Et t'as mal au lutte. Et écoute, ouais, non, j'ai pas trop réfléchi. Par contre, j'ai eu un bon rythme d'abord. J'ai bien trouvé mon rythme, j'ai bien dormi. Et du coup, je me suis jamais senti dans une zone rouge totale parce que franchement, les bateaux, ils te l'interdisent. Je pense que tu rentres dans la zone rouge, t'en sors jamais. C'est juste un enfer. De toute façon, en gros, tu pourrais te faire un planning journalier où tu dors la nuit, tu bricoles le jour, tu fais un peu de nav entre ça, tu règles ton bateau et tu retournes dormir. Et c'est vraiment intense, vraiment intense. Ils sont trop extrêmes, c'est pas trop important qu'il y ait plus vite. Ah, ça va, mais ouais. C'est... Bah, ouais, non, franchement, le cinéma a été fermé ce soir ou quoi? Ah non, trop sympa, il y avait du monde là-bas sur le parking aussi, à l'accueil, il y avait pas mal de zones en mer, et puis là sur le ponton, trop sympa de voir tout ce monde m'accueillir, franchement je m'attendais pas autant. Hein ? Mais tu feras tes paris quand tu veux, mais pas avec moi, tu le sais bien, je rentre pas dans ton jeu. Est-ce qu'il y a des bricoles sur le bateau aussi? Ouais, ben, si tu veux savoir, j'ai quasiment plus de folle depuis mardi, alors... Ça va pas leur faire plaisir aux autres, mais bon. J'ai bricolé 2-3 trucs, j'arrive à utiliser 30% de mes foils de sortie, quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Et ouais, j'ai cassé le système 2 fois de chaque côté. Voilà. Et après, des petits bricoles droite-gauche, mais rien d'incroyable. Des améliorations à faire par rapport au design, des choses un peu trop extrêmes qu'on avait faites, un petit peu trop d'eau dans le bateau, des choses comme ça, mais des choses qu'on va régler cet hiver, là, dès qu'on pourra sortir de l'eau. Chantier, ouais, en vue, là, après ces 2 semaines. Ouais, le chantier, je pense qu'il n'est pas assez long, hein, si tu veux. C'est vraiment des bateaux exigeants et là, on a quoi, 3-4 mois. Enfin là, toute l'équipe, elle a besoin de breaker aussi parce qu'eux, ils sont rôtis complets. Donc, on en a pour 3 mois jusqu'à début avril, on va dire. Pas plus, parce qu'après, il y a les transats qui arrivent, ça va enchaîner sec. Voilà, va falloir faire des choix dans ce qu'on va faire. Va falloir bien gérer tout ça. Et puis surtout, ben,
appuyer sur la fiabilité parce qu'en fait, on le voit bien, hein, dès qu'un bateau a la moindre casse, tu le vois sur la carte eau, puis c'est fini, t'es largué, les autres sont partis, tu reviendras probablement jamais.